À plusieurs reprises, le prince Harry a évoqué les similitudes entre Meghan Markle et sa mère, Lady Diana. Une opinion que la famille de la princesse Diana n'a malheureusement pas partagée. Droit d'auteur best image. En bref, l'histoire d'amour entre le prince Harry et Meghan Markle a commencé en 2016, avec des complications croissantes, notamment après la couverture de Vanity Fair qui a déplu à Kate et William. Le prince Harry a présenté Meghan Markle aux proches de sa mère, mais ils n'ont pas vu de similitude entre elle et Diana, ce qui a déçu Harry. Malgré les tensions initiales, le prince Harry a résolu ses différends avec la famille de sa mère, qu'il a soutenue lors du 10e anniversaire des Invictus Games. L'histoire d'amour entre le prince Harry et Meghan Markle a commencé en 2016. À partir de là, les complications se sont multipliées. On se souviendra notamment de l'apparition de la duchesse de Sussex en couverture de Vanity Fair. Autant le dire, le titre Wild About Harry n'avait aucunement plu à la famille royale britannique, surtout à Kate et William. Étant donné que l'article de Vanity Fair avait accru les soupçons des Cambridge à l'égard de Meghan, l'actrice a découvert que ses voisins du palais de Kensington avaient encore moins de temps à lui consacrer, a expliqué l'expert royal Tom Bower sur le sujet dans son livre Revenge, Meghan, Harry and the Heart Between the Windsors. Crédit photo, best image. Le prince Harry, duc de Sussex, arrive au deuxième jour du procès contre l'éditeur du journal Daily Mail à la Haute Cour de Londres, le 28 mars 2023. Parmi les plaignants, accusant le quotidien d'avoir obtenu des informations illégalement, figureux John et L. Hurley. Invité au couronnement de son père, le prince de 38 ans n'a pas encore rendu officielle sa venue à la cérémonie du 6 mai 2023. Prince Harry, les proches de sa mère ne voient pas les similitudes dans ce livre. L'expert revient sur le moment où le duc de Sussex avait présenté sa petite amie aux deux sœurs de sa mère, Jane et Sarah. L'actuelle duchesse de Sussex avait également été présentée à la meilleure amie de Lady Di, Julia Samuel. Harry supposait que la famille et les amis de Diana verraient une similitude entre Diana et sa fiancée. Toutes deux, dit-il, partageaient les mêmes problèmes, explique Tom Bower. L'expert royal souligne, il était déçu. Personne n'était d'accord sur le fait que sa mère vulnérable avait quelque chose en commun avec sa petite amie. Plus gênant pour lui, il pensait que Meghan ne s'intégrerait pas dans la famille royale, précise-t-il dans son bouquin. Prince Harry, la famille de sa mère en soutien. Malheureusement pour le père d'Archie et Lilibet, c'est par le biais de Charles Spencer, le frère de la princesse Diana, que le malaise a été exprimé. L'homme politique de 60 ans, marié trois fois, avait mis en garde son neveu sur les conséquences d'un mariage hâtif. Conseil qui, par la suite, a eu une réaction amère venant du duc de Sussex, selon Tom Bower. Sur le sujet, le prince Harry avait déclaré, cela allait être vraiment difficile. Malgré tout, il semblerait que le prince Harry ait résolu tous ses problèmes avec la famille de sa mère. Après tout, Charles Spencer et sa sœur, Lady Jane, avaient soutenu le prince Harry lors de son dernier voyage au Royaume-Uni. Rappelons que le duc de Sussex était retourné au pays pour le 10e anniversaire des Invictus Games. D'un autre côté, aucun membre de la famille royale britannique n'y a été vu.